On n'est plus que deux bateaux à pouvoir prétendre à la victoire finale au classement général à l'issue de l'arrivée à Gênes. C'est Spindrift Racing et nous avec Foncia. J'aime bien la pression, mais à ma foi, c'est plutôt détendu quand on en a un peu moins. On a un adversaire clairement identifié. C'est pas pour autant qu'on va faire du match racing contre lui. Il vaut mieux se concentrer sur bien faire sa course. Maintenant, si une opportunité de se défendre contre Spindrift nous permet de rester devant, on fera ce qu'on pourra. Le plus marquant, c'est les départs. C'est évident, depuis, ça va très vite, il y a très peu d'opportunités pour revenir après sur ces city races, donc il faut être bon au départ. On a fait un mauvais départ l'année dernière, un très bon départ, on était premier, et un départ moyen et on est resté moyen, donc ça joue vraiment beaucoup là-dessus. Je pense qu'on essaie tous bien naviguer. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas trop de. Voilà, il faut chaque minute, chaque seconde, ce qui se passe, il faut essayer de bien faire du bateau et faire ce qu'on sait faire. Et puis voilà, je pense qu'on n'est pas dans le mode de calcul particulier. Nous, on n'a rien à calculer, quoi. On a attaqué à être devant et à gagner. Donc. Après, je pense que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont peut-être un petit peu plus à calculer éventuellement. Mais je pense pas qu'on est dans la position des calculateurs. On est dans la position du chasseur.